pour ce petit live sur FIFA 18. La petite demi-finale France-Belgique. Où mon cœur bat. Enfin, je suis français, mais j'aime bien la Belgique. La Belgique aussi, c'est nos voisins. Donc... Mais bon, c'est dommage que ça se fait un match que de la demi. On aurait rêvé d'avoir un petit match, une finale France-Belgique, mais c'est pas possible. On était dans le même tableau. C'était impossible de s'affronter en finale. Donc, je vais faire ce match tranquillement. Bien sûr, je vais jouer avec la France, hein. Je peux pas. Voilà. Oh là là, les deux équipes. Sur FIFA, les deux équipes se valent, hein, quand même. Ouais. La Kazan Arena. Bonjour, bienvenue à vous pour ce match amical, international. Je vois que Pierre, vous êtes bien installé. Oui, le fauteuil est confortable, tout va bien, on va pouvoir y aller. Match de l'équipe de France qui aujourd'hui affrontera la Belgique. Cette 21e édition de la Coupe du Monde que certains pays ont raté, hein, je pense aux États-Unis, qui généralement ont toujours qualifié, qui s'est fait battre, qui en Europe. Ouais, c'est parti. Match. Où j'ai contrôlé les deux équipes, donc ça me fait. Je me dis, bon, dans tous les cas, j'aurai deux matchs à faire puisque le perdant jouera la petite finale. Donc, ce qui est cool, c'est que quand même les Belges, je vais les retrouver un peu plus tard. Ce mec à Courtois. Je vais oublier. Allez, pleine surface. Paul Pogba. Ouf. Alors, le trio offensif devant va me faire très mal. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Vas-y Lloris, tranquille. Kylian. Ah, j'ai vu Griezmann, il faut que t'ailles plus vite. Il était bien placé pour intercepter cette passe. On va suivre bien sûr Antoine Griezmann, un attaquant qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. C'est vraiment devenu un attaquant très efficace, sa première saison à Atlético. Attention les Vigéros. Oh dommage. La Sacha de Lille. Thomas Meunier. Marwan Fellaini. Est-ce ce ballon qui traîne? Ah, oh, la bonne occasion pour Olivier Giroud. Oh, oh, quoi? Mais non. Mais non, mais c'est le la pire malchance du monde, ce tir. Oh, je le vois en retour, c'est ouf. C'est ouf, je crois que je tape tous les montants. La balle ne rentre pas. Oh. Non. Et derrière, je fais poteau. Franchement, on peut le féliciter. Oh là là, la malchance est revenue. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Voilà. Avec un tir. Oh, oh mais. Oh, mais il est hors jeu, mais en plus il se loupe. C'est le De Bruyne s'est loupé ça quand même. Bon, il y avait hors jeu donc. En tout cas, il n'y aurait pas eu but, mais. Oh, oh là, j'ai vu des fails là en direct. Wow. Première attention. Antoine Griezmann. Kanté. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Ouais, on passe par les côtés. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. C'est Tolisso qui joue là. Oh non, mais. Mais c'est une blague. Dites-moi, c'est un gag. S'il vous plaît, la Belgique, elle est chanceuse, c'est pas possible. Faut que je veux dire ça, mais elle a fait un poteau aussi. Un
Peut-être une bonne opportunité, attention. Un duel pour la récupération du ballon. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Olivier Giroud. Je peux pas avoir autant d'occasions et pas marquer, c'est pas possible. C'est pas possible, entre la malchance et le goal, ça va là. Je suis servi là. Ah non, c'est pas. Je pensais qu'il allait continuer, mais non. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Lukaku dura à arrêter. J'ai de la chance que l'ordi n'a pas tiré. Paul Pogba qui est pressé par son adversaire. Griezmann. Mbappé. Ouais, impeccable ce tac. Et pour nous. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Je t'ai vu, moi. Je t'ai vu. Ça part au deuxième poteau. Sauf qu'il y avait personne, à part Tolisso au deuxième poteau là-bas. L'action. Non mais non mais, putain, mais j'ai vraiment pas eu de chance. Transversal. Non, mais... Allez, pleine surface. Là, il y avait Courtois là. Pas de solution. Pas de solution. C'est Mbappé là-bas. Ouais, il a bien repris, il est extrémiste. Attention à cette action côté belge. Eden Hazard. Quoi, ma chance. Lukaku. Non, faut que je dégage. Faut que j'arrête de jouer comme ça. De Bruyne. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Lloris, tranquille. Non, en fait, je pensais qu'il allait prendre à deux points, à deux mains, mais non. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Lloris, tranquille. Voilà. Tiens, Mbappé. Monte ta vitesse, Mbappé. Je suis pas sûr que Fellaini aille tout aussi vite que toi. Non. Mbappé, il peut remonter tout le terrain lui tout seul. Oh, ce que j'ai tenté. Tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement non. Ce que j'ai tenté avec Tolisso là. Oh là là. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Bien donné. Mal tiré par contre. Witzel. Kevin De Bruyne. Thomas Meunier. Marouane Fellaini, en Belgique, à l'attaque. Ouais, elle a lutté après un peu reprendre ses ballons. C'est un combat de toute instance, ce match. Raphaël Varane. Je domine, hein, mais j'ai pas de chance, en fait. Deux minutes de plus, au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre, Olivier Giroud. Ouais, Giroud, j'attends que Griezmann arrive. Voilà. Griezmann, c'est une balle de but. Ah, quand même. Quand même, au bout de, je sais pas combien de tentatives. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer. Important, ce but juste avant la mi-temps, importance capitale même. Psychologiquement, c'est dur à encaisser et puis surtout, ça change complètement la donne. Quand même, putain, la malchance que j'ai eue. J'aurais dû mener même plus qu'un zéro là. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score. Supporters qui sont revenus dans les travées de la Casa d'Arena et la seconde période qui débute à l'instant. Corentin Tolisso. Antoine Griezmann. Mais Mbappé, si je le chope là-bas, je vais le trouver.
Top Gun. Eden Hazard. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oula. Oups. Oups. Oups, j'ai fait faute. Je viens de découper Meunier. Mais il va le prendre, son carton. Mais oui, Hernandez, il l'a pris. Ça n'ira pas plus loin. Allez, Mbappé. La vitesse, non, tu pourras pas. Ils ont l'air rapides, les joueurs belges. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ouais, Tolisso, Tolisso. Reviens. Ah, je peux plus. Je voulais crocheter pour revenir. Pour revenir et je peux plus. Le défenseur a été plus vite que moi. Et la touche sera pour la France. C'est donc un remplacement côté belge. Antoine Griezmann. Ouais, ça, c'était vu et revu. Ça va pas voir si tu devrais réussir à défendre ça. Voilà, ouais, c'est bien. Là-bas, il y a eu un assassinat apparemment, donc... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'était beau. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'était beau. Ce petit jeu en triangle était beau. Trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Et ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions, qui marquent en toute logique, donc... J'ai rien ajouté, Hervé, c'est parfait. Bon, le but est moche, hein. La frappe est très moche. Mais bon, ça fait but. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Marwan Fellaini. Nasser Chadli. Yann Van Fengen. Ouais, l'intervention était irrégulière. Une faute. Pour les Belges. Griezmann. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Mbappé. Benjamin Pavard. Les Bleus attaquent avec ce ballon. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah non. Beaucoup trop compliqué à faire cette passe en retrait. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Oula, non, Tolisso, il était pas du tout parti. Yann Van Fengen, il choisit de passer par Kevin De Bruyne. Voilà, tranquillement. Je suis taré de faire ça à chaque fois. Benjamin Pavard. Il n'y a pas de solution, hein. Mbappé. Griezmann. Les compagnies qui dégagent et qui débarrassent. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Non. Ça atteindra jamais Griezmann. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Eden Hazard. Il s'avance vers la surface. Allez, Pavard. Allez, oui, bien. Mbappé. J'attends l'appel de Mbappé. Voilà. Oh, j'ai cherché le deuxième poteau. Je me suis compliqué. Mais bon. Mais Griezmann, allez. Griezmann avec du soutien. Olivier Giroud. Pogba. Ah oui, le tir. Ouais, la frappe. C'est facile ça. Ah, mais sur jeu. Mbappé est hors jeu. Corentin Tolisso. Paul Pogba.
français, il faut se créer l'occasion. Albert Vereld préfère dégager. La France va bénéficier d'un corner. On va faire rentrer un joueur côté français. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ah, il y a pénalty, d'accord. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi il y a pénalty ? Si quelqu'un a vu ce qui s'est passé. J'ai pas vu. Il fait quoi, compagnie ? Il gêne Varane, d'accord, mais c'est juste ça ? Après, je l'ai tiré du pénalty. Le voilà Grisou. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Bon, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons coups. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Olivier Giroud. Non. Marouane Fellaini. Witzel. Compagnie. Je vais laisser un peu jouer quand même. Je vais mettre le pressing que je mets habituel. Ah, super, ça lui a fait une passe. Belge. Lloris. Un Griezmann en jeu. Ah dommage, il partait au but. Je pense qu'il trouve un joueur mais du pas adverse. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Yann va prendre de la frappe. Oh dommage. Il partait bien pourtant. C'est pas très puissant mais bien ajouté. Ça passe pas loin, hein. Attention, il a du champ devant lui. Non, ça ne passe pas. J'ai essayé de dribbler compagnie avec Mbappé. Mais c'est pas. Non, c'était pas Mbappé en plus. Mais c'est pas passé en tout cas. Ce ballon, N'Golo Kanté. La passe est interceptée. Oh non, Witzel. Et vous venez de ouais, c'est fini. C'est à l'instant même la fin de ce match. Dernier coup de sifflet de l'arbitre. 3-0. Bon, je pense pas que ce sera le. Oh, cette frappe était belle. Je pense pas que ce soit le score en vrai, bien sûr. Hein. J'y crois moyennement au score en vrai. Ça va être un match beaucoup plus serré parce que là les Belges je les ai pas vus. J'ai eu 2-3 occasions. Mais... Voilà. Bon, ben moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et on verra avec qui je fais la finale, la Belgique ou la France. Et je ferai la petite finale avec l'autre équipe. On verra. Et moi je vous dis ciao.